Jeanne Herry est la célèbre fille du couple formé par l'actrice Miu Miu et le chanteur Julien Clerc. Si la réalisatrice a passé sa vie entre les plateaux et les tournées, elle avoue sans détour que ses parents n'ont pas facilité son avancée dans le monde du cinéma. En promotion pour son film Je verrai toujours vos visages avec Gilles Lelouch et Leïla Bekti à l'affiche et dans lequel sa mère Miu Miu tient l'un des rôles principaux, Jeanne Herry était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans cet avou sur France 5, et elle est revenue sur une douloureuse période de sa vie. Même quand on est la fille d'une célèbre comédienne et d'un très grand chanteur, il peut y avoir des passages à vide. C'est le cas de Jeanne Herry qui s'est confiée sur son parcours. Celle qui est désormais réalisatrice, a fait ses classes à l'École internationale du théâtre, où elle a été formée par Nora et Stéphane Boublil, avant d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Si on pourrait croire que sa route était toute tracée et que la jeune femme allait décrocher de nombreux rôles, la vérité en a été tout autre. Après ma formation, j'ai essayé d'être actrice mais j'ai vite été au chômage. Je me suis retrouvée dans ces statistiques très rapidement, confie-t-elle. Supérieure à supérieure à supérieure à Miu Miu et Julien Clerc aux côtés de leur fille, ces retrouvailles qui font plaisir de l'interprétation à la réalisation, une période dont elle n'a pas honte, et pour cause. Selon elle, cette période sans emploi lui a permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'elle voulait vraiment faire. Ça m'a permis de développer un sens de l'écriture et de la mise en scène très rapidement, déclare-t-elle. Devenue aujourd'hui une réalisatrice césarisée pour son film Pupille, Jeanne Herry reconnaît volontiers être plus à l'aise à regarder les autres jouer plutôt que de jouer. Cette longue période de sa vie a ainsi permis à Jeanne Herry de prendre conscience qu'elle était faite pour la réalisation et non l'interprétation. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous France 5.